Bienvenue à tous pour ce let's play numéro 2 sur Inside, un jeu particulièrement intéressant. La dernière fois, on a commencé en étant un petit bonhomme, couru à travers la forêt pour essayer de fuir quelque chose ou de s'échapper de quelque part. Et il s'est passé plein de trucs bizarres. Bon, mis à part les fois où on s'est trompé, qu'on s'est fait attraper, ça c'est partie des noms de mon non-skill. Mais plutôt, les cochons morts un peu partout, ainsi que les vaches très étranges, on pouvait prendre le contrôle de personnes. Il y avait des sortes de vers qui sortaient des cochons et du sol, très bizarre. Et là, on se retrouve dans une pièce où il faut qu'on avance en même temps que les zombies, une sorte de zombies qui marchent. Je sais pas trop, il y a des gens qui regardent. Peut-être qu'on va finir par comprendre tout ça. Bon, continuons du coup, et voyons ce que ça donne. Putain, les vieux réflexes, oh mon dieu, n'importe quoi. Pourtant c'est pas compliqué, bordel de merde. Comment les gens peuvent faire pour ne pas capter que je suis pas comme les autres? Okay, là on fait rien, on ne bouge pas surtout. Surtout ne bouge pas. On est bien, c'est bon. On a passé ce petit passage qui était, ma foi, compliqué. Merde. Ok. Je vais juste continuer un peu. J'ai l'impression qu'il faut que je continue, sinon je vais me faire choper par le mec et son chien là-bas. Là. Putain, quelle idée d'être tombé là, quoi. C'est bon. T'inquiète, t'es tranquille. Ok, c'est la fuite. Je me casse. Fissa. Oh. Salut les gars. C'est la fuite. Oh putain, il arrive. Il revient. Cours, vol. Non. Ah fuck. J'ai perdu trop de temps. Ah, mais il me défonce, il m'a arraché les. Urgh. Ok, c'est la fuite, on court. La dernière fois j'ai perdu du temps, là je devrais pas en perdre normalement. Normalement je devrais pas en perdre. À moins qu'il faut que je saute, genre. Ah fuck. Comment je vais faire? Ah je sais, pardon. Je sais ce qu'il faut que je fasse. Faut que je l'attire en bas et que je saute par dessus avant. Comme ça il va prendre le temps de faire le tour. Enfin vous allez voir. Enfin, si vous avez pas compris. Viens un garçon. Viens un garçon. Et maintenant, tu cours. Et tu sautes là, s'il te plaît. Merci. Est-ce que je peux faire contrôle? Oui. Ouais, vas-y. Emmène-moi loin d'ici, s'il te plaît. Je t'en prie, petit zombie. J'essaierai de te sauver, promis, mais plus tard. En attendant, merci bien. Je sais même pas si ces gens sont vivants ou morts. Je sais même si c'est des vrais gens ou pas. C'est très étrange. Ah. Ok. Changement de plan. Fallait pas que je fasse comme ça. Tout a une utilité dans le jeu. Apparemment, enfin. Toutes les surfaces que tu peux voir ou quoi peuvent être utiles à quelque chose. Par exemple là, il aurait fallu que je m'arrête
ici. Ah ! Reviens ici. Un peu plus, comme ça. Voilà. Je m'arrête ici, comme ça je pourrais remonter sur le truc après et me pousser de ce côté. Ah, j'aime bien les énigmes. Même si je suis pas doué, c'est pas grave. J'aime bien quand même. Ok, garçon. Vas-y, tire-moi de l'autre côté. Tout ça en marche arrière. Le mec, il se fait du moonwalk dans les airs. Oui, 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 oui. Ok. Alors, je vais m'arrêter là. Là, j'ai dit. Pour le moment. Il y a un truc à mettre au-dessus. Que vous aurez pas vu. Il y a un truc à mettre au-dessus. Peut-être que lui, je peux le faire aller ailleurs, du coup. Je sais pas. Le faire prendre autre chose. Non, bon, écoute, on va descendre pour l'instant. Mais non, mais... Ah non, mais ça sert à rien, en fait. Je peux rien faire. C'est pas comme si je pouvais aller vers cette droite. Je sais pas comment dire, genre vers le loin. Du coup, il doit y avoir autre chose. Ah ! Fuck. J'ai failli tomber. Ok. On va quand même... Ah oui, je sais, je crois que j'ai compris. Ah, je crois que j'ai compris, attends. On va mettre là, pile au bord. Ok. On va te faire aller là et là. Monter là-dessus. Ouais, et maintenant quoi, hein? Quoi, mais il y a moyen que je monte là-haut? Je vois qu'il y a un autre... Attends. Y a un truc trop chelou, là. Faut que j'essaye quelque chose. Je me dis pas que je peux faire du double contrôle. Ce serait trop bizarre. Ok, bon, on va essayer, hein, écoute. What the fuck? Donc ouais, c'est ça, c'est genre le inception du contrôle, quoi. On peut faire du triple contrôle. C'est trop étrange. Enfin, ça ouvre des possibilités qui sont assez infinies, quand même. En soi. Mais en même temps, ça paraît logique. Mais c'est trop bizarre. Ok. Vas-y, descends. Toi, tu te raccroches. Et maintenant, on va aller... par là-bas. Ok. Trop bizarre. Un jour, il y avait un mec caché dans le carton en mode... Je t'attendais, mon enfant. Bon, et maintenant quoi, hein? Qu'est-ce qui va se passer encore? Qu'est-ce qui se passe? Et là quoi? Je suis censé faire quoi? Les gens se barrent. Ok, pourquoi pas. Là ça se referme du coup. Ah je sais, attends. On va faire ça comme ça. Je pense qu'il faut que je tombe dedans, je suis pas sûr mais... On va bien voir. Si c'est ça ou pas. Hop. Ah, c'était un échec. Il faut que je me mette beaucoup plus près de l'extérieur que ça. Enfin, de l'ouverture. Ok. Je crois que j'y suis, là. Ouais, je dois y être, là. On va essayer ça, du coup. Wouhou! Salut, les gars! Nice! Ok. Pourquoi pas. Il avait l'air serein quand même en mode oui je sais qu'il y a de l'eau ici, c'est bon, tout va bien. Donc on peut pas monter là. Peut-être un passage par en dessous. Ou alors très profond. Non, je vais crever si je reste aussi profond. Ah je ne sais pas. Oui c'est, tu vis, tout va bien. On va aller par là, voir ce qu'il y a. Peut-être un truc à récupérer, à tirer là-bas pour pouvoir monter dessus, je sais pas. Ce qu'il y a dans l'eau ici. Je peux rien choper ou quoi? Oui. Remonte, garçon. Tu vas mourir, ça. Ça, peut-être, que je peux le tirer. Allez. Ok, nickel. Remonte avant de mourir.
pas mal du tout. Il y a plein de mécaniques intéressantes dans ce jeu, en tout cas, pour l'instant, de ce que j'en ai vu. Je connais pas du tout la durée de vie de ce jeu, mais déjà rien qu'en 40 minutes, 50 minutes de jeu, là, il y a déjà plein de trucs qui sont passés, ce qui était vraiment pas mal. Donc, on va voir ce que ça donne, tout ça. Par contre, j'aimerais bien comprendre. J'avoue que je suis vraiment curieux de ce que c'est que cette chose-là, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce monde, ces trucs et tout. Ok, ça vide l'eau. Très bien. Ça la fait remonter, j'imagine. Ça va me permettre de passer au-dessus. Oh. Ok. Ah, attends. Non, je peux pas sauter, je peux pas aller là-haut. Ah, va falloir que je réactive le truc, là. Ah non, je peux passer par là. Il y avait une autre porte de l'autre côté, je pense que j'aurais pu l'atteindre éventuellement. Faudrait que je vois. Hop, on va ouvrir ça. Du coup, ça me fait retomber ici. Oui, bah oui, pour la porte, pour pouvoir passer. Du coup, c'est bien ça, il faut que je me grouille, en fait, avant d'activer le truc. Qu'est-ce que je fais là? Oui, c'est bon. Ok. Ok, alors logiquement, il faut que j'arrive à atteindre la porte qu'il y a là-bas, pour rentrer dedans au moins, avant qu'elle se ferme. Donc, vite, 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 vite. Ah bah non. Doit y avoir un autre moyen du coup. Ah, peut-être que si je fais monter l'eau à un certain moment, que je la fais redescendre, j'aurai peut-être le temps. Attends, on va essayer ça. Je sais pas si je suis très clair dans les explications, mais bon. Après, je pense que ça se verra mieux ce que je veux faire quand... je serai en train de le faire, tout simplement. Par exemple, je fais monter l'eau, mais je peux aussi le réactiver. Non ? Oui, et ça la fait redescendre. Ok. Donc si je la mets à fond, attends, on va remonter avant de crever. Là, on va redescendre tout en bas. On va faire descendre l'eau. Hop ! Et on va aller là-haut. Vite, 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 vite. Voilà, c'était ça. Ok, très bien. Parfait. Bon, vu qu'il y avait une chaîne, je pense qu'il va falloir retourner là-bas, j'imagine. À moins que non. Je ne sais pas. Ah, je sais, ça y est. Oui, bah oui, c'est ça. Il va falloir retourner là-bas avec ce carton, histoire de pouvoir monter dessus et aller sur la chaîne. Très bien. Très bien, très bien. Mais les possibilités sont infinies. Excellent. Ah! T'es parti trop loin, gros. Bon, c'est pas grave. De toute façon, ça flotte. Et ici. Ok, parfait. J'aime beaucoup la dynamique de ce jeu. Du coup, je vais faire la... corde à sauter. Wouhou, non pas du tout. Oh, un train. Premier aperçu d'une civilisation quelconque, autre que juste des gens qui regardent des zombies. Ah, et des zombies dans un train. Ok, j'étais presque. Ah, j'avais pas vu. Bordel, je me suis fait surprendre. Putain, mais regarde un peu ce qui se passe autour de toi, enfin. Bonhomme. Ouais, attends. Là, ça va jusqu'où ça? Ok. Faut que je reste dans l'ombre du tuyau. J'active ça. Qu'est-ce que tu fais? Ah, il faut que je le fasse descendre plutôt. Il faut que je le fasse descendre.
tellement bien. Vas-y, 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 vas-y. J'aurai pas le temps. Hop. Très bien, très bien. Même, je veux dire, rien que l'ombre qui suit la lumière, c'est un truc qu'on voit pas beaucoup dans les jeux en général. C'est genre. Bah juste ça. Ça fait une ombre, tu vois, mais c'est tout. Mais là, par contre, je trouve ça stylé, quoi. Oh, merde, je me suis trompé. Enfin, j'ai sauté beaucoup trop tôt. C'est dommage. Tant pis. Est-ce que je dois tout refaire? Non, c'est bon. Ok. Nickel. Nickel. Ok, attends. Deux secondes. C'était un peu dangereux. Par ici. Vas-y, reviens ici. Et laisse-moi passer. Petit train, les petits trains, toujours des petits trains. Avec des zombies dessus. Ça va jusqu'où ça? Oh putain de merde. Je vais pas y arriver là. Je vais pas y arriver là. Normalement je suis censé y arriver dans cette... Allez, 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 hop là. Nickel. Nickel garçon. Tu me fais plaisir quand tu fais des trucs comme ça. Ok, y'a rien à faire de ce côté là. Ok, j'aurais éventuellement pu sauter pour atteindre le truc. On va descendre, voir ce qu'il y a en bas. Je trouve qu'on descend quand même de plus en plus bas. À un moment donné, on va se retrouver dans un puits de magma. On va être là. Oh, bah merde! Dis donc, j'atteins le centre de la Terre. Ok. On va se laver les cheveux? Non, pas du tout. Ah, ça aurait été cool, genre, s'il y avait en plus de ça la physique de l'eau sur nous quand elle tombe. Ah, ils peuvent pas penser à tout, hein, mais bon, c'est déjà vraiment, vraiment bien, quoi. Je vais pas être du genre à me plaindre. Oh là, il y a des kleps là-bas. Ils me disent rien qui vaille. Alors, rien du tout. Oh là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bon, il est parti en bas là, enfin tout droit là-bas. Je sais pas pourquoi faire. Oh putain. Ah, je vais me faire choper là, c'est sûr. Ouais, c'était sûr. C'était sûr. Putain, c'est vachement violent, hein, Bréchon. Tu chopes les kleps là? T'as l'impression de ressentir le fait qu'il te coupe en deux, quoi. De toute façon, à parcourir là, je vois pas trop ce que je peux faire en vrai. Si, retourner dans l'eau. Oh là, oh là. Ah bah oui, il me poursuit dans l'eau, oui. Mais est-ce que tu peux plonger, hein? Et non, tu peux pas. Bon, je vais t'amener jusqu'ici du coup. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Jusqu'au bout. Après, je vais passer sous toi. Hop. Et on va partir de l'autre côté. Tout en nageant parce que ça va plus vite. J'espère que j'aurai le temps quand même. Eh oui, je t'ai eu! Plus intelligent que toi! Face de kleps! Cours, 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 cours! Ok, il me suit pas là, c'est bon. Oh putain, il y en a d'autres! Oh fuck! Monte, 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 monte! Oh, mais c'est hyper stressant, mec! Vite, vite, vite! 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 Vite, 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 vite! Putain! Ah fuck. Ah, je sais ce que je dois faire. Ok, c'est bon, j'ai compris. À chaque fois je meurs une fois et après je comprends. Je vais passer de ce côté. Ils vont venir de ce côté là. En fait, c'est ça que je dois faire, je pense. C'est-à-dire que si tu veux. Là ils sont là. Le temps qu'ils arrivent, hop, moi je repasse de l'autre côté. J'arrache ça. Non, pas du tout. C'était trop tôt. Beaucoup trop tôt. Aouh! Ah merde, je me suis fait choper, putain.
Aouh! Violence! La violence du chien! Ok. On va enlever une plaque. Hop, et maintenant on se barre. On se barre. Fissa. Vas-y, venez là, les gars. Je vous attends, hein. Je suis de l'autre côté, moi. Tu vas y arriver, tu vas y arriver, tu vas y arriver. J'ai confiance en toi. Ok, nickel. Nickel. Vite, cours, cours, vol. Arrache ça. Ah, dis-moi que je peux passer. Dis-moi que je peux. Non, tu peux pas passer. Vite, 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 vite. Non. Ah. Fuck. Putain, il fallait que j'en enlève une troisième planche pour pouvoir passer. Ah putain. C'est. La tension est à son maximum avec ce jeu, je vous jure. C'est hyper. Enfin, tu t'y prends quoi. Pour de vrai. T'as vraiment l'impression de crever quand les mecs ils te chopent. Quand les chiens ils te chopent. C'est abusé ça. Viens les gars. Parfait. Cours, vol. Allez, enlève ça. Cours, 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 cours. Nickel. Venez là. Venez là, venez là, venez là, venez là, venez là, venez là. Je pense qu'avec une dernière planche, ça devrait le faire. Ok. Allez, c'est parti. Vite, 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 vite. Ah. Vas-y. Oh, nice. Nice, putain. C'est tendu. Oh là là. C'est tendu, bordel. Putain, y a vraiment des égouts énormes dans cette ville. Je sais pas trop ce que c'est, mais putain. Ah, tu commences à fatiguer un peu là, non? En même temps, ça fait presque 2 heures que tu cours comme un dingue. Putain, y'a un mec là. Attends, attends. On va se planquer, hein, 2 secondes. Voir ce qu'il fait. On va peut-être pouvoir prendre la capsule, là. Mmh. Et vous me voyez pas, je suis un ninja. Ninja. Je peux pas entrer dedans, genre. C'est nickel, ça. Oh, parfait, on a volé un sous-marin, quoi. C'est trop génial. C'est beaucoup trop génial. Et du coup, je descends le plus profond que je peux. Hein. On va voir ce qu'il y a en bas, tout en bas. Genre. Ok, est-ce qu'il y a moyen... Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que je suis en train de faire, là? Ah c'est bon, je peux passer en fait, il y a un trou. Je pensais qu'il y avait une porte. Ah mais j'ai poussé la porte avec... Oui, d'accord. Très bien. J'imagine que je peux détruire ça avec mon machine là. Oh! Trop stylé ça! Genre on peut... pouf, on peut charger et... Ah c'est trop bien! Par contre là c'est énorme le monde qu'il y a. C'est abusé. Cool. Putain, et la musique du jeu qui va avec le monde dans lequel t'entres quoi. Oh là là. Okay, ce jeu m'impressionne. Je dois le dire. Je regrette pas du tout de l'avoir choisi. Je regarde ce qu'il y a tout autour. Hein. Je me balade quoi. J'ai hâte de voir. Son jeu va pas vraiment me laisser tomber, je pense. Il va me mettre des murs de chaque côté quoi. Immense. C'est quoi ces gros trucs là? C'est les tuyaux de... Ah là il y a une...
une sortie, éventuellement. Rah, j'aime trop être là-dedans. Ça me rappelle trop la plongée, genre t'es tellement pris dans le... pris dans le rien, enfin dans le non-bruit, juste un bruit sourd qui fait que, parce que t'es sous l'eau, c'est tellement agréable, genre. Bon, j'imagine que ça va pas durer. À un moment donné, on va se faire il va se passer un truc pas cool. Si je peux passer là. Celle-là. Je croyais que c'était un mur. En fait, non, c'était juste un tuyau. Bon, faut que je descende quand même, de toute façon. Putain, c'est trop bien, j'ai volé un sous-marin. J'aime tellement faire des trucs comme ça, hein. Genre dans la vraie vie. Conduire un petit sous-marin. Ah ouais. Bah peut-être. Ok. Ça a l'air quand même d'être du bon béton armé là. Je vois pas trop comment je vais faire pour passer. Mm-hmm. Je vais continuer jusqu'à ce que tout soit détruit. Ça m'a l'air d'être ça. Je peux pas forcément détruire plus de trucs là. Peut-être là, mais. Ouais, non, ça sert à rien. Je pense que je me, je pense que je me casse bien la tête pour rien là. Je pense qu'il faudrait que j'ai réussi à monter l'eau. Ah, je peux sortir là et me passer par là peut-être. Je sais pas, je vais voir. Je vais voir si je peux pas passer par là. Ah mais oui, mais du coup maintenant je peux passer, moi qui suis petit et frêle. Et je peux passer entre les barreaux. Eh oui. Et du coup je perds mon sous-marin, c'est trop triste, je voulais le garder. Hop, ça passe easy. Dommage. Peut-être si j'allais faire monter l'eau, je pourrais passer avec le sous-marin. Là ça me paraît compliqué, vu la masse d'eau qu'il y a, il faudrait vraiment beaucoup d'eau pour faire monter, jusqu'à faire passer le sous-marin par la porte quoi. Bon bah tant pis, ce fut un agréable voyage petit soir, je suis bien content de t'avoir eu avec moi. Et maintenant on remonte vers la surface, moi je dis t'étais plus safe sous l'eau. Ok, qu'est-ce que c'est que cette salle? Là je retombe dans l'eau. 02. Putain, je suis encore sous l'eau quoi quand même. Wow! Fuck me. Ah! C'est la fuite! Olé. Ouh! Dur. Y'a quoi dans ces trucs là? Je me demande si c'est pas des capsules à humains. Comme des capsules à zombies. Ok, bon, qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Je ne sais pas. Nous allons voir ça de suite. De l'herbe! Ah, oh, cool, de la végétation un peu. Ça fait du bien ça. Ça rassure. Qu'est-ce que c'est que ça? Je peux le bouger? Non. Ah, si, je peux faire ça. Attends, c'est une bombe ça ou quoi? Ah non, j'aurais dû rester dessus. Ok, d'accord. On va recommencer. Et faut, je pense qu'il faut que j'aille à gauche là, sauter sur ce truc là. Hop, voilà. C'était donc ça. Ah, il y a des énormes arbres. Trop cool. Putain, ils sont vraiment énormes. Ah non, c'est un mur. Ok. Ah mais enfin, ils sont quand même gros, on va pas se mentir. Well, well, well. Olé. Allez, tu te balances, ça cadence, ça balance. Hop là. Ah oh, putain, comment il fait pour pas
perdre des jambes ou des choses comme ça, quoi. Qu'est-ce qui va se passer maintenant, hein? Ça, ça s'ouvre. Ah, mais j'ai peut-être récupéré mon sous-marin au final. Mais je peux quand même pas passer, y a pas assez d'eau. Enfin, je veux dire. Bon, écoute, on va aller par là, on va voir. Bah oui, non, c'est ça. C'est là d'où je viens, en fait. Bah non, il me manque de l'eau. Je peux pas. C'est ridicule. Wow, c'était quoi ça? C'était quoi ça? Oui, non, non, il faut absolument que je monte l'eau, en fait. Ça, je peux rien faire, là. Enfin, je vais quand même le rapprocher, mais ça, je pense que ça sert à rien. Non, il doit me manquer une étape. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là pour le moment, et je reprendrai la prochaine fois, tout simplement, pour essayer de résoudre cette énigme. Comment faire pour monter l'eau et passer avec le sous-marin? C'est une bonne question. Sûrement un truc que j'ai raté, comme d'habitude. Sûrement d'ailleurs, après le truc qui m'a fait monter. Enfin bref. Du coup, c'était un plaisir de jouer à ce jeu, et tarde quand même un peu de retomber dessus, je vous avouerai. Allez, tchuss!